you have to be different to be a researcher. You need perseverance, you need to be able to stand up even after failure and never give up, because that's the principle of research. My name is Annie Elong Ngono. I'm a research instructor at La Jolla Institute for Immunology. I wake up every day wanting to contribute to the idea of life without the fear of disease. I think I'm not a typical scientist. I was educated in two different countries, in Cameroon and in France. I think it's influenced me to be more open. I'm both like Cameroonian and French. I don't have a special identity. I'm really proud of the fact that I'm coming from Africa, I'm African, but I'm not just that. I'm Annie first, and I should not be defined just by being like the African scientist. It's the same in US. I think I will maybe spend 10 years and I will also have a part of the American culture. I'm like a citizen of the world, is what I'm saying. I think I was really influenced by my parents. My father and my mother also like went to France to get the degrees and the work also there, and went back to Cameroon and are living there now. The fact that I have parents in science, seeing how fascinated they were about what they were doing, yes, I choose science. And particularly biology, because of my fascination for viruses and also the human body, how complex is it? Yes, I wanted to understand that. Et est-ce que tu pensais déjà quand j'étais enfant que j'allais faire de la recherche? C'était ce que je souhaitais, moi. C'est ce que je souhaitais. Tu sais, ici, nous sommes dans un pays sous-développé. Donc, ce qui arrive là où tu es maintenant, on ne l'attendait pas. On a beaucoup prié pour ça et c'est Dieu qui est en train de réaliser. Que tu parles de la richesse, c'est une merveille. Et on t'a vu un peu au travail. Même dans, en classe terminale, tu as été à certains endroits et quand on parlait de certaines choses, tu avais de bonnes notes, de très bonnes notes. Donc, que tu fasses la recherche, ça entre dans dans ta capacité. Ça nous arrange même. D'autant plus que je te dis, la biologie et la médecine, c'est côte à côte. Vraiment, je suis très content parce que tu es allé dans mon sens. Et pourquoi toi, tu as choisi en fait la neurochirurgie? Je suis arrivé à la neurochirurgie, ce n'était pas le choix de départ. Je dis que j'ai commencé par la biologie et puis la médecine. Et en me spécialisant à la médecine, je suis parti du Cameroun vers la France. Et arrivé là-bas, j'ai été neurologue. Mais Dieu a voulu que 2 ans après, on a fait un truc, qu'on a mis la neurologie et la neurochirurgie dans un même système. Et on m'a pris là-bas pour me faire travailler à la, on me payait même, pour me faire travailler à la neurochirurgie, et c'est là où j'ai continué à travailler. Mais sachant que la neurochirurgie, ces sciences fondamentales, ils sont bien là. Ça n'existe pas beaucoup dans nos pays sous-développés, et pas au Cameroun. Donc c'était pour essayer de développer ce qui est bon ailleurs, développer ça aussi dans notre pays. C'est pour ça que je crois que là où tu es maintenant, qui n'est pas développé beaucoup, beaucoup dans nos pays, eh bien, que tu viennes être peut-être un peu de lumière, je m'excuse de le dire, chez nous. Est-ce que tu as l'espoir justement que je pourrais contribuer à la réduction des maladies infectieuses dans le monde, et particulièrement en Afrique? Mais pour dire la vérité, c'est
tu ne peux pas avoir appris autant de choses bien. Et tu restes assise dessus. C'est que si tu apprends bien là-bas, certainement tu vas participer à la guérison des mauvaises choses. Je souhaite que ce soit au Cameroun, parce que c'est ici que je souhaite que tu reviennes. I'm now working with many countries in Asia. My next step will be to create and develop collaborations with countries in Africa. I really want to build this collaboration between Asia and Africa because it will increase our chances to reduce the impact of infectious disease. And my hope is to lead this effort in my own lab. The PI is the principal investigator, so the person having the lab. To become a PI, you need a grant, and you need also to be accepted by an institution. I'm working on a grant. I want to study the cross-reactivity in some dengue endemic countries with other flaviviruses. So what I'm planning to look at is how the Japanese encephalitis or Zika virus infection can influence dengue disease. I want to be a PI, but PI is just a position. I can be also just a coordinating project, but really I want to coordinate projects against infectious disease in Africa. At one point, like I changed my mind, and I was realizing, okay, actually I'm able to do that, and I have all of the skills to be able to do it, because one of my fears also was to be not incompetent, but like not good enough to be PI. And I think I'm good enough to be PI. So, and I realized that, and that was also one of the biggest thing last year, to be able to like be confident enough to say, I'm good enough to be PI. I can do it.